Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Hein. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'étais rendue à peu près aux deux tiers de Gone, donc le tome 1 de Michael Grant aux éditions Pocket Jeunesse. Et ça passait quand même pas mal, sans être super addictive, l'histoire était assez plaisante et ça se lisait quand même super bien. Et puis c'est vrai que je l'ai repris dès le soir et en fait j'ai été complètement entraînée par le final, même si c'est pas de la grosse intrigue, mais j'avais vraiment hâte de voir comment ça se finissait. Et ben, une lecture plaisante ma foi qui m'a vraiment donné envie de découvrir sous peu la suite. Donc de toute façon j'ai fait l'avis hier, avant-hier, il y a deux jours je crois bien, il est tombé sur le blog, donc pour plus de précision, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, il suffit de le consulter. Ensuite, j'ai sorti, pareil, le tome 1, donc de Tomorrow, quand la guerre a commencé, de John Marsden aux éditions Black Moon. Donc là, je l'ai sorti, en fait, même quand je l'ai reçu, c'était un petit peu un pari, parce que c'est vrai que quand on, ben, rien que le titre, de toute façon, quand la guerre a commencé, ça nous présente bien l'ambiance qu'on va trouver dans le livre. Le résumé, c'est pareil, ça nous plante le truc, donc on sait que, quand même, la guerre va occuper pas mal l'histoire. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément le genre de choses que j'apprécie. Maintenant, j'avais envie d'essayer quand même, voir si j'accrochais ou pas du tout. Les quelques avis qu'il y a sur Livre Addict étaient quand même tous très très positifs. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis après tout, si ça te plaît pas, ben, tu iras pas au-delà du tome 1. Et en fait, ça a été une très bonne découverte. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes de guerre, d'explosion, tout ça, mais au-delà de ça, on découvre vraiment ce petit groupe d'amis qui était parti tout bêtement en randonnée, puis quand ils reviennent, ils trouvent la ville complètement dévastée, toute leur famille, leurs amis, tout le monde a disparu, ils savent pas ce qui s'est passé, les communications sont coupées, et c'est vrai que, ben, on vit avec eux, donc la découverte de tout ça, d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est, à la base, ce sont des ados, donc bon, c'est vrai que, ben, comment ils vont s'adapter à ça, quels choix ils vont faire, parce que finalement ils ont deux possibilités, ou se rendre à l'ennemi sans savoir ce qui les attend et dans quel but, et vraiment les bases de tout, ils n'y connaissent rien, quoi, ils sont au courant de rien, il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de radio, il n'y a rien du tout, ou alors ben, leur autre solution c'est d'essayer d'échapper à ça et de survivre comme ils peuvent et puis tant qu'à faire d'essayer de comprendre aussi et de voir ce qu'ils peuvent faire face à la situation. Donc pas mal concentré sur ce petit groupe et on voit justement les gens évoluer, les filles un petit peu superficielles qui justement ben, le deviennent beaucoup moins face à la situation et franchement ça a été une très très bonne découverte et le tome 2 vient juste de sortir donc je pense qu'il va rejoindre très vite ma pile à lire. Ensuite, j'ai fini, enfin, ça doit faire 3 semaines que je me le traînais, La Communauté du Sud, le tome 11, Mort de peur, de Charlène Harris aux éditions J'ai lu, donc qui était une relecture et qui a été une relecture très très laborieuse parce que j'avais moyennement déjà apprécié le tome en VO et là, ça m'a complètement saoulée. C'est vrai que ça m'a fait du bien dans le sens où j'avais quasiment tout oublié. Donc pour me rafraîchir les idées, me lancer dans la suite, c'était quand même indispensable, mais ça a quand même été limite un calvaire de le relire et j'avoue sans hésiter qu'il y a certains passages, j'ai carrément lu en diagonale parce que des descriptions à tout va, des meubles de Suki ou de sa coiffure ou de ses fringues ou du temps qu'elle passe à s'épiler dans sa baignoire, ça rajoutait encore à la partie qui me saoulait. Donc voilà pour ce que j'ai lu la semaine dernière. Ensuite, mes lectures en cours. Donc, j'ai diminué, je suis passée de 5 à 2, 3,5. Enfin, il y a des trucs qui sont en cours, d'autres qui sont en pause, mais voilà. Donc, en gros, j'ai entamé Reste avec moi de Jessica Warman, donc aux éditions Territoire. Je crois que c'est un one-shot, il me semble pas que ce soit une série. Il va falloir que je regarde d'ailleurs, enfin non. Bref. Donc, j'en suis à peu près aux 2/3. Et c'est bien. Je pense que ça sera un avis positif qui en ressortira. Maintenant, c'est vrai que ça me rappelle quand même un mix de d'autres livres que j'ai lus et en plus sous peu. Donc, je pense pas que ça m'ait aidé à vraiment être addict à l'histoire.
En gros, la situation de base, on la reprend, ben, c'est exactement la même quasiment que dans The Ghost and the Goat, que j'avais lu en VO. En clair, c'est la fille en vogue du lycée, la blonde superficielle que toutes les filles envient, que tous les garçons ont envie de se faire, qui du jour au lendemain, eh ben, passe l'arme à gauche. Et elle a du mal au début à accepter ça. Et non, pour elle, elle fait un cauchemar où il y a quelque chose, elle ne peut pas être morte. Et elle se retrouve en plus avec, en gros, le loser du lycée qui est mort, lui, un an auparavant. Et ils sont que tous les deux à voir, donc à évoluer au milieu des autres parce qu'ils ne sont pas passés justement dans l'au-delà. Ils assistent à la découverte de son corps, à ce que ses amis vont ressentir, comment elles vont l'exprimer, enfin, tout ce qui va se passer finalement, ils vont être spectateurs de ça. Et c'est vrai que là-dessus, ça reprend pas mal de choses quand même de The Ghost and the Goat. Donc j'ai eu un petit peu de mal, pas du mal à rentrer dans l'histoire parce que ça se lit tout seul, mais c'est vrai que j'ai pas été interpellée, pas vraiment je sais pas trop comment l'exprimer en fait. C'est pas une lecture qui m'a... Oh, je suis désolée, je bug complètement. Ça se lit, mais c'est vrai que ça me pose pas de souci de le reposer, enfin, à l'heure actuelle. Bon, là, on rentre dans une autre phase où vraiment, il y a plus le côté de savoir ce qui lui est arrivé, de finalement, elle découvre ce qu'elle a un petit peu oublié parce qu'elle se souvient pas de tout, mais de la fille qu'elle était vraiment, et même elle en est horrifiée parce que c'était quand même une petite pétasse, quoi, qui vraiment passait son temps à pourrir la vie des autres. Donc voilà. Bon, je vais pas en dire plus parce que là déjà j'y arrive pas d'une et puis je veux vraiment voir ce que donne la fin pour voir si ça vaut le coup ou si ça reste aussi approchant que l'autre justement. Donc voilà, reste avec moi. Désolée pour le blabla qui ne rime à rien. Ensuite, toujours dans Switch, donc le tome 1 de la saga Trine, donc de Amanda Hawking. Donc lecture VO que je n'ai pas touchée de la semaine parce qu'en fait on le lit à 3 et les filles n'étaient pas rendues au checkpoint, donc je les ai attendues, voilà, en plus j'avais largement de quoi lire à côté, donc ça ne m'a pas posé de soucis, donc je le reprends de toute façon ce soir. Ma troisième lecture en cours, elle est toujours sur le Kobo, c'est toujours la confrérie de la Dague Noire 10, j'ai avancé un petit peu, c'est toujours aussi plaisant, j'adore tous les retrouver, plein de trucs que j'avais oubliés puis qui me reviennent d'un coup, donc... un petit moment agréable et ma foi, il dure l'air de rien. Je croyais qu'il ferait moins longtemps que ça. Donc, mes lectures à venir. Alors là, c'est malheureux, mais j'ai toujours le même. Faithful de Claudia Gray. Donc, je veux commencer depuis 2 semaines. Et j'ai toujours des lectures prioritaires ou quelque chose qui se cale avant. C'est juste horrible. Donc, de toute façon, ben, c'est pareil. Dès que je trouve un petit trou, c'est celui-là toujours que je me cale comme prévu. Mais le petit trou n'est toujours pas arrivé. Ensuite, je vais sortir donc le deuxième tome de la saga Darkness Rising de Kelly Armstrong, The Calling, donc la saga Clair-Obscur en français. Donc parce que là, tout simplement, la lecture commune qu'on s'est prévue avec les filles, elle est pour le 16, donc en gros, il me reste 9 jours, donc il faut que je le commence absolument. Je pense que je vais finir Reste avec moi et que je vais entamer celui-ci directement après. Et enfin, possibilité hors. Celui-là, c'est pareil. Si j'ai le temps, sinon, il attendra un peu plus. Le troisième tome de la saga Fable Even de Brendan Mull, donc aux éditions Nathan. Pareil, j'ai envie de découvrir la suite. J'avais aimé le premier, mais sans plus. Le deuxième m'avait beaucoup plus accroché. Déjà, ça bougeait plus. Les réactions des enfants, c'était moins gamin. C'était plus... ils étaient plus crédibles. Et puis, c'était plus agréable aussi pour moi à lire. Donc, j'ai envie de découvrir le troisième tome. Et voilà, ça sera sous peu, cette semaine, la semaine prochaine, je sais pas. Après Faithful, ça c'est clair. Donc voilà pour mon petit bilan lecture de la semaine. Je suis désolée encore une fois pour les quelques bugs, toujours pareil. C'est férié, donc j'ai mon homme qui ne travaille pas, qui est à côté. Et ça me perturbe d'avoir du monde qui tourne quand je fais une petite vidéo, parce que je suis toujours pas super à l'aise face à la caméra. Donc voilà. Donc, je vous dis à lundi prochain pour un prochain point et en attendant, de bonnes lectures à vous et que lisez-vous !